Moi, je dis toujours à mes artistes qui viennent enregistrer chez moi, accrochez-vous. Moi, j'ai eu des temps morts dans ma vie. J'ai eu des temps où j'ai eu très dur, où il n'y avait plus d'intérêt pour Beurre Blanc. Et bon, il fallait passer ce cap-là, mais il ne faut pas baisser les bras. J'ai une toute petite chanteuse de 9 ans. Ah, oh, elle est mignonne. Elle s'appelle Esmeralda. Ah, elle est fantastique. Oui. Alors, tu vois, tu vas devenir une grande star maintenant. Aïe, 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 aïe. Pas du froid quand tu chantes. On boit après, tu vois. Ni de la bière non plus. La bière n'est pas bonne pour la voix. Mais par contre, un petit verre de... Enfin, pas encore maintenant, mais vraiment un petit fond de vin, ça ne peut pas faire du tort. Ça délie un petit peu les cordes vocales. Maintenant, ceci dit, elle est quand même encore en âge. D'abord, il faut aller à l'école, bien apprendre. Oui, mais il faut quand même un bagage intellectuel, il faut quand même une culture générale, quand même, ne peut nuire à personne, hein. Ça ne peut pas nuire. Et dès que tu sauras bien lire et écrire, moi je te conseille vivement d'aller aussi à l'école de solfège. Si le monde n'était peuplé que d'enfants, je crois que l'on pourrait faire mieux que les grands. Tu le dis, tout le monde, ce qu'ils nous ont appris, nous on l'oublierait pour faire de nos pays un havre de paix. C'est joli comme chanson. T'aimes bien? Oui. Tu vas la chanter? Tu voudras la chanter? Oui. Oui? Mais il faut l'apprendre avant. Il faut l'apprendre. 12 000 et demi, c'était ce qui était convenu. Oui, hein. D'accord. Reçu de Le Noir. Si le monde n'était peuplé que Marcel, par exemple, quand elle est sollicitée, bon, c'est lui qui s'arrange avec les organisateurs et tout. C'est quand même bien, hein, parce qu'il n'y a que 15 jours, même pas, qu'elle l'apprend. Et surtout avec le playback, elle tombe bien sur l'air de la musique. C'est une chanson qu'elle n'avait jamais quand même entendue, ni jamais. Personne, puisque c'est que Beurre vient de le faire. C'est bien, chérie, c'est bien. Donc en 15 jours de temps, je ne pense pas qu'un professionnel ferait mieux. Non, je ne pense pas, hein. Parce qu'elle n'a que 9 ans, hein, en somme. Bien sûr. Hein? J'en rêvais quelquefois de devenir une petite chanteuse, mais ça ne s'est pas passé comme ça, quoi. Disons que on courtise et puis plus tard on se marie, quoi. Donc le rêve est un peu oublié. Oui, je voudrais quand même qu'elle y arrive. La terre, mais je n'en demande pas tant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, fuyant ma terre natale. Guantanamera, ma ville Guantanamera. Guantanamera, ma ville Guantanamera. Il n'y a personne qui t'a critiqué aujourd'hui, mais sûrement, ça je le dis, il y en a bien qui auraient voulu avoir ta place. Hein.
Tu le sentais, ça, hein? Oui. Ah, il y a beaucoup qui t'enviaient. Et ces envieux, là, quelquefois, je ne sais pas si c'est méchant ou pas, mais ils savent quelquefois faire de drôles de trucs pour essayer de d'être avant toi, etc. Hein. Viens. Viens, Pilou, la souris et le fromage. Oui. Ma. Miam. Miam. N'oublie pas. C'est. C'est mi et ma. Et un en. J'en mangerai un morceau. Non, un bout. Un bout. Tu dois lire, hein? Parce que il y a des fois, tu lis avec les images, toi. Un havre. Non, un havre. Un havre. Un havre. Un havre. Oui. Pas faire la liaison. Un havre de paix. Un havre de paix. Vas-y. Un havre de paix. Un havre. Un havre. Oui, essaye. Pour faire de nos pays un havre de... Non, un havre. Vas-y. Un havre. Oui. Mais tu le dis pas quand tu chantes. Pour faire de nos pays un havre. Un havre. Un havre. Un havre de paix. Un havre de paix. Un havre. Havre de paix. On prend une flèche à feuille, tu l'oublieras pas comme ça. Le passage, un havre. Oui, mais elle doit pouvoir le dire, je crois. Un havre. Non, un havre. Un havre. Un havre. Un havre. Oui. Nous l'oublierons pour faire de nos pays. N'aie pas peur. L'oublierons pour faire de nos pays un havre de paix. Donc il lui faut le temps de réassimiler. Pour faire son petit, pour faire son petit truc là, pas un arbre. Ce serait bien échu que les gens, il y en a qui vont l'entendre, mais peut-être pas. Mais pour le final, pour sa cassette, ça c'est pas possible. Il faudra qu'elle revienne chanter. On peut être conciliant, mais on peut pas laisser passer des fautes quand même. Tu vas le faire? Tu le fais pour moi. Tu vas le faire pour moi? Oui. Je te fais un beau sourire. Allez, c'est là. On t'a pris. Nous l'oublierons pour faire de nos pays un drôle. Oui, c'était presque ça. C'est bon, ça. C'est bon. Allez, c'est pas mal. Vas-y. Pour faire de nos pays un arbre de paix. Oui. Alors, une dernière fois. Un arbre. De paix, un havre de paix. On essaie encore deux, trois fois. Un havre de paix. On essaie. Oui. Tu es sûr que nous, on n'a pas fait la liaison dans les chœurs? Ah, je ne pense pas, non. Non. Je vais l'écouter. Je ne suis sûr que pas, mais si on l'a mal appris, peut-être que ça m'étonnerait. Ils ont appris, nous on l'oublierait pour faire de. Eh oui, nous on n'a pas fait la liaison. Nous on n'a pas fait la liaison. Ah non, non. Nous on l'oublierait pour faire de pays un havre de. Tu vas me regarder. Oublierait pour faire de. On commence, hein. Nous l'oublierons pour faire de nos pays un havre de paix. Oh, c'est là. On commence à la connaître, hein.
Tu peux avoir une bête, à hâte, à chièvre, à moucron, qu'elle a déjà été aussi, à la panne. Qui tiendra l'œil dessus? Question pour la loge, pour la petite, il y aura des problèmes ou quoi? Il y a une loge de placée. Oui. Et ils ne sont pas au courant. Alors je vous rappelle qu'elle était de passage à Lessine. Monsieur Michel. Elle est retournée à la côte. Et demain, elle retourne déjà en France. Et je vous demanderai d'applaudir eh bien, bien fort. C'est une toute petite dessinoise, mais qui très grande de talent. Mademoiselle Esmeralda. Toi, tu n'as rien à dire? Un petit mot? T'es contente? C'était très bien. T'es contente alors? Maintenant, très contente. Pour ça, on va aller à la chouette. J'ai appris des nouvelles pour toi, bien sûr. Écoute, laisse-moi parler un petit peu. Pendant qu'on est occupé, il y a un monsieur qui est venu me trouver et il m'a dit qu'il avait un contrat pour toi parce qu'il te trouvait vraiment excellente. Et c'est pas pour tout de suite, donc j'ai dit, bon, bien sûr, d'abord, il faut qu'elle se repose un petit peu. Il y en a eu avant, elle se repose un peu. Et sinon, tu vas avoir un beau contrat encore, tu pourras aller chanter. Donc, c'est qui t'aime quand même, hein? C'est qui l'apprécie. Bon, je te donne un nounours, hein. Elle est trop contente, elle ne pense que c'est nounours. Attends. Pour le moment. Tu as eu des belles roses, regarde ça. Attends. Elles sont vraiment belles. Attends, celui-là est mignon. Elles sont toutes beaux, hein? Voilà.